Bonjour, je m'appelle Nicolas Poteau, je suis religieux assomptionniste et à partir du second semestre, je vous propose un cours intitulé « Grâce et péché selon saint Augustin ». Alors c'est vrai que dit comme ça, c'est un titre qui peut faire peur et certains s'imaginent peut-être qu'on y parlera du péché originel, de la prédestination et d'autres idées théologiques qui ne sont pas forcément très dynamisantes et qui sont un peu passées de mode. Alors c'est vrai que nous parlerons dans ce cours du péché originel et de la prédestination. Mais tout cela demande d'être resitué dans le cadre plus large de l'anthropologie de saint Augustin. C'est-à-dire que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et toute sa dignité est justement de devoir ratifier cette création pour se tourner vers son Créateur avec l'aide de la grâce et ainsi devenir de plus en plus libre et trouver le repos. On connaît peut-être cette fameuse phrase de saint Augustin qui ouvre les confessions. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Alors on peut aussi expliquer tout ce que Augustin a dit sur ce thème par sa vie. On connaît bien sa jeunesse tumultueuse, mais aussi son expérience d'évêque face aux polémiques des Pélagiens. Et cela s'explique aussi par son interprétation de l'Écriture. Alors, création à l'image de Dieu, liberté, grâce, péché, prédestination, c'est un petit peu tout cela que je vous propose d'aborder dans ce cours.